Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va tester Forza. Bon, j'ai fait 2-3 essais avant un peu pour voir, mais là je débute vraiment. Donc soyez indulgents, je conduis pas forcément bien. Le principal, c'est de s'amuser. Et du coup, là on va faire un petit peu le mode classique, le mode carrière. Donc pour l'instant, moi j'ai fait que l'introduction. Et donc maintenant, j'ai enfin débloqué l'accès au championnat des constructeurs. Donc, comme je sais pas trop par lequel commencer, parce qu'il y a vraiment plein de choses, on va prendre le premier. Ah, c'est verrouillé, merci. J'ai pas tout déverrouillé alors. Je pensais. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup? Ça, peut-être. Ok, alors c'est parti. De nombreux grands noms du sport automobile ont commencé leur carrière en pilotant des voitures de tourisme modifiées. À la fois fonctionnelles, agiles et rapides, elles offrent une option abordable pour se lancer dans la compétition sur circuit sans exploser son budget. La plupart d'entre elles sont pilotées à pleine vitesse sur route et poussées à leurs limites sur circuit, le tout le même jour. Alors dans les essais, j'avais conduit une Mustang. Je suis un peu déçue de ne pas la retrouver là. Mais bon, ça va me forcer à essayer autre chose. Allez, on va prendre celle-ci. Couleur a pas d'importance, va rester base. Circuit a l'air plutôt simple. Alors là, on peut changer les performances de la voiture pour faire en sorte qu'elle soit un peu plus. Un peu plus performante, tout simplement.
Ok. Donc là, une petite amélioration. Ensuite, on passe à la course. Donc là, j'utilise pas de volant pour jouer, j'utilise une manette Tiens toujours compte Xbox. du trafic autour de toi dans le virage en A d'Ogi lorsque tu choisis ton point de sortie avant d'accélérer. Ok. Donc, il nous dessine une trajectoire qu'il faut essayer de suivre avec des codes couleurs. Plus c'est bleu, plus il faut accélérer. Quand ça change de couleur et que ça se rapproche du rouge, il faut décélérer. C'est pas très très compliqué. Plutôt, c'est assez intuitif. Compliqué ici, un petit peu, parce que. Entre comprendre ce qu'il faut faire et y arriver. C'est là que je pense que. Wouah! Sacré virage. Voilà, première sortie de piste. Donc à chaque fois qu'on commence un nouveau circuit, on a d'abord des essais avant de faire la vraie course, de ce que j'ai compris. Ouah. Je sens que ce virage-là, je vais avoir du mal à le maîtriser. Donc, j'ai réussi à faire le bonus. Donc, plus qu'à faire les 3 tours, et ce sera bon. Alors on peut choisir les types de vues. J'avoue que j'aime bien cette vue-là avec l'impression qu'on est dans la voiture. Il y a même les reflets sur le pare-brise. C'est vraiment très réaliste. Voilà, donc on a tous les prérequis, on va pas se mettre plus loin. Va pouvoir faire. Alors, il va nous dire où on en est.
Oui. Ça fait moins de points, mais c'est plus facile. Suis un peu feignasse. J'ai pas envie de voir les autres joueurs. On peut les faire défiler un par un pour voir tous les pilotes. Sortie des pistes. Pas de pénalité, c'est déjà ça. Pour l'instant, je suis quatrième. J'ai choisi mon positionnement, j'ai prévu de terminer première. Donc ce serait bien que j'y arrive. Voilà, repasser troisième. Attraper quand on fait du hors-piste, évidemment. Je conduis comme un puppy. Encore quelques tours pour essayer de rattraper. Il reste 3 tours. Voilà.
Bon, c'est après ça que je vais avoir le virage le marmonneux. Je suis pas bien à la bonne trajectoire en fait. Je vais pas réussir à le prendre bien une seule fois. Je m'améliore un petit peu. C'est pas. C'est pas foufou, mais. Les autres, ils sont loin, loin devant avant que j'arrive à les rattraper. À mon avis, c'est mort. Je commence à les voir. Virage, il me fait perdre un temps fou. Donc, troisième position. Ok, on a gagné quelques crédits. Et on a débloqué des jantes. Des pneus. Des barres anti-roulis. Des nouveaux types de gomme. Bon. On va faire le prochain circuit. Essayer de voir si on peut changer d'autres trucs. J'ai 200 points disponibles, je vais pas aller loin. Alors, on va mettre un moteur. Collecteur d'admission, petit papier sport. Ok. Alors pour l'instant, je touche pas trop aux réglages et tout ça parce que. Je débute et je suis pas encore assez. J'ai pas encore assez d'expérience pour ça. Je laisse ça aux perfectionnistes. Les courbes en S du circuit de Suzuka sont un excellent endroit pour gagner du temps sur tes concurrents. Enfin, si tu restes collé à la ligne de course et que tu évites d'utiliser trop les bordures qui pourraient déstabiliser ta voiture.
on sait pile poil ce que j'arrive pas à faire, ce qu'elle a demandé de faire. Hop. Lui, il dégage. Reviens, reviens. Je me déconcentre, je fais n'importe quoi. Non, 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 je veux pas me faire passer devant. Bon, allez, on se concentre. Voilà, on l'a redoublé, ça c'est bon. Je sais que ça sert à rien parce que c'est pas la vraie course, mais j'aime bien les doubler quand même. Dernier tour. Allez, on va se lancer dans la vraie course après ça. Je suis prêt.
Ah, j'ai fait bien mieux pendant les essais. Ah non, je me fais doubler par tout le peloton. Je me fais rentrer dedans. Bon, allez, il va falloir remonter tout ça. Je suis partie au kikiwit. Je vais encore sortir toujours au même endroit. Celui-là, j'arriverai pas à le prendre comme il faut. Oh, mais me rentre pas dedans, toi, je te laisserai pas la place. Je suis 11e, la honte. J'ai ralenti un peu tard en prenant des risques, mais c'est que je voudrais absolument essayer de les rattraper. Donc ça va me demander d'être capable de prendre des risques quand même.
Va falloir doser pour être capable de les dépasser. Allez, là c'est ma chance. Et de 1. Encore un tour. Donne tour. 2. Dedans. Ah, il m'a fait emboutir. Oh, voilà, c'est mort. Ah, c'est mort. J'ai perdu toutes les pièces de place que j'avais gagnées. Puis là, j'ai trop perdu de temps. Oh, bien joué, bien joué. Déçu. Alors, on va essayer. On fait une moyenne. On va essayer quand même de finir les 5 circuits. Ouais, je voulais voir quand même ce que j'ai gagné. Effectivement, on peut aller plus vite en acceptant tout. Là, je vais pouvoir me prendre l'échappement que je voulais. Je suis assez 200, donc si... Hop, voilà. Alors... Lime Rock. Il a l'air d'avoir un peu moins de virages compliqués, mais ça veut rien dire. Oh, franchement, les graphismes sont fous, c'est génial. Ce jeu est vraiment trop trop beau.
BAM! Bon. J'ai pris le... qui mesure notre efficacité sur certains segments. Des segments clés du circuit. Comme ça, logiquement, on est censé savoir ce qu'on doit améliorer derrière. Ah, non, mais ce virage, j'en veux pas. Vraiment, celui-là il passe pas. Donc les tensions en rouge, c'est que c'est pas bon. Oh mais... Je vais le refaire la même à chaque fois. J'ai fini le truc d'entraînement, mais je vais refaire encore un tour parce qu'il faut absolument que j'arrive à prendre ce virage. Donc j'y arrive pas, ça sert à rien de faire la course. Oups. Ça c'était le changement. Ouais. C'est bon, j'ai réussi à le prendre sans me mettre dans le décor. On peut améliorer ces niveaux, même dans les essais après. Non, c'était celui-là. Bon. On va essayer quand même la course. Je suis joueuse. J'ai changé de lentille, j'ai un peu de mal à garder les yeux ouverts tout le temps pour la course, ça me gêne un peu.
Si, je me suis fait rentrer dedans. Je pensais pas que la course serait moitié de nuit. Bon, tous sont rentrés les uns dans les autres à cause de moi. Finir par avoir des pénalités à force de cogner dans les autres. Je me le fais un peu à la auto-tamponneuse. Et on est qu'au premier tour. Non, c'est bien, je les utilise comme frein pour pas partir dans le décor pour les virages. Les huitièmes, on peut faire mieux. Ah mais je t'ai pas dit de bouger le volant. Non, bouge pas. C'est bon, je vais être 24e. Je vais pratiquement rattraper tout le monde. 22e, mon dieu. Il me reste que 3 tours pour me rattraper. En espérant que je fasse pas la même bêtise à chaque fois. Ah bah c'est la première fois que j'avais encore jamais fait de tonneau. Yeah. C'est de la bonne voiture. Tonneau, pas tonneau, ça repart. Alors, dans les courses, on voit rarement les pilotes repartir aussitôt. Bon, je suis bien 24e, bien loin derrière. Je crois que si j'arrive ne serait-ce qu'à finir la course avec une voiture intacte.
commencer à conduire normalement. Ce circuit-là, mais... c'est... Ça va être très très difficile d'en venir à bout. Si je trouve, je vais faire un score tellement mauvais qu'il va peut-être même pas le laisser passer à la suite. Petit coup de barre. Ah mais c'est bon, la course ça se passe de nuit, moi j'ai envie de dormir. Allez, si on y va petit à petit. L'autre il m'a mis un tour de plus dans le... Me faire doubler par les autres, ils ont un tour d'avance sur moi. Voilà. 24e. Voilà. Elle a pas dit ce que c'était bien pour une fois. On est vraiment, on a gagné pas mal de choses. Bon, bah c'est pour ça. Tant pis. Ok. Allez, voyons voir le prochain circuit. Alternatif. Ok. Dans les nombreux virages rapides et en dévers de Catalunya, la gravité jouera contre ton adhérence. Assure-toi que ta voiture soit positionnée là où tu souhaites sortir avant d'accélérer. Ok.
Ça veut dire que ça va être encore pire que celui d'avant. Je vais souffrir. Allez, dégage! Ah! Ça me prendra. Ça m'aide pas à tourner plus. Ça change de point de vue. Chaque fois, je suis tentée. Menu un score parfait sur je sais pas quel segment, j'ai pas tout suivi, mais ça me déconcentre un peu les messages Xbox. Oups, bon, je trouve ces virages là quand même plus faciles à prendre que ceux du circuit d'avant. Thank you.
Tu termines les 3 tours. La course. Oh. Je l'ai un peu égratigné la voiture. La pauvre. Bon, on va commencer au milieu du peloton ce coup-ci. On verra bien. De toute façon, jusqu'à maintenant, ça m'a pas porté chance de commencer devant. Allez! Allez! Ouais! Bon, il reste encore pas mal de tours. Non, il faut que je garde la première place. Non, je pense que ce jeu doit être encore plus agréable avec un volant. Je fais pas suffisamment de jeux de voiture pour investir
là-dedans. J'aimerais bien essayer un jour. Je vais pas. Je vais pas faire un New York Peace maintenant, c'est pas le moment. Encore 3 tours. Ok. Je les ai bien largués les autres, n'empêche derrière. Normalement ils sont loin. Peut-être aussi que le jeu s'est réadapté à mon niveau et vu que j'étais trop nul, ils m'ont fait un truc plus facile. J'avoue que je me suis pas du tout renseigné pour savoir comment fonctionnait vraiment le jeu, quoi. Ah, mais le soleil dans les yeux, ça éblouit. C'est très fort comment c'est bien reproduit quand même. Je peux. Allez, hop.
Bon, c'est bon, j'ai rattrapé un peu la nullité de tout à l'heure. Même pas de pénalité. Non, je suis remonté en 5ème place. Alors. On a tout ce qu'il y a de mieux, on peut pas l'améliorer plus. On va faire le dernier circuit, je déborde un peu, j'avais dit une heure de stream. C'est pas grave, on va terminer quand même le dernier. Histoire de compléter vraiment une coupe. J'avais pas trop d'idée du temps que ça pouvait prendre. L'asphalte récemment rénové de Silverstone a été conçu pour résister aux charges latérales extrêmes subies lors des freinages intenses et des virages rapides. L'adhérence ne sera pas un problème. Ok, ça tombe bien, j'aime bien quand il y a de l'adhérence. Sortie de route encore. Il faudrait que je me méfie de ce virage là. Comment t'en profites toi? Oh ouais, tu passes derrière. On a eu le bonus. Ah, j'ai réussi pas trop à sortir de piste.
Je peux aller trop vite. Je peux me sortir au moment, je pense. On a fait les trois. Et c'est la course. Pourquoi c'est de nuit à chaque fois? Non, j'ai pas tourné la tête, ça tourne pas plus la voiture. Allez. Go, se décourage pas. On s'accroche. J'aurais peut-être dû prendre un jeu de stock-car plutôt qu'un jeu de course. Les autres, je vais tous les 8e, 7e, 6e.
Skim. Oups. Il n'y a plus que ces trous là. Il reste encore 3 tours. Ça sur l'herbe. Non, je me refais passer devant tellement je conduis mal. Voilà, je tiens à garder ma première place quand même. Les autres sont vraiment pas loin derrière. Je m'énerve, et du coup, je fais n'importe quoi, je me fais doubler. Voilà. Normalement, maintenant les autres sont assez loin derrière. Je perds toujours vachement de temps ici.
je suis pas à ma première place au dernier cours, juste avant l'arrivée, c'est vraiment pour une sortie de route parce que je m'endors. Faut pas qu'il nous fasse conduire de nuit, c'est pas possible. Moi de nuit, je m'endors. Bon, ça va. L'honneur est sauf. Ouais, propre et sans bavure, j'irai pas jusque là. Ah, je suis première quand même dans le classement. Petite imitation. Allez. Hop. On a fait le petit trophée. On va s'arrêter là. Donc bah, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Soyez indulgents, je sais que je suis pas une bête de la course, ni des jeux en général. Principal, c'est de prendre plaisir à jouer. Et franchement, ce jeu, il a tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir, même si on n'est pas très bon conducteur, même si on n'est pas un as de la course. Donc voilà, très agréable, une belle découverte. Sur ce, à bientôt !